Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Humm Bracelet, donc le bracelet en français, le test sur Nintendo Switch. Je viens juste de prendre le jeu. Il est actuellement sur l'eShop à 10,99€. Il est aussi disponible sur Steam pour 9,71€. Le jeu est sorti le 24 septembre 2020. Classe d'âge PEGI 12. On peut y jouer avec les deux Joy-Con ou Pro Controller. Au niveau des langues, le français est inclus et la taille installée sur ma Nintendo Switch est environ 630 mots. Pour poser les bases du jeu, Humm Bracelet est un jeu d'aventure qui prend place dans la Norvège du Nord, de l'exploration des énigmes et une histoire palpitante dans un environnement unique. Humm Bracelet vous met dans la peau de Jesper, un adolescent norvégien vivant en ville avec sa mère. Un jour, il se voit confier un vieux bracelet par son grand frère, originaire d'une petite communauté de pêcheurs dans le Nord. Ce bracelet a des pouvoirs étranges et mystérieux. Voilà pour poser les bases. Donc, c'est un jeu que je vais faire en no commentary. Voilà, tout simplement, let's play de 10-15 minutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous allez le prendre et tout ça. Moi, je découvre en même temps que vous, c'est la première fois que je lance, donc c'est parti et je vous dis à la prochaine. Salut!
Thank you.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.